Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Roblox. Et aujourd'hui les amis, nous sommes des fermiers. Oui, nous allons planter des choses, nous allons également peut-être élever des animaux, qui sait. Du coup, c'est parti! Bienvenue à Farm Town. Il est l'heure de se mettre au travail. Ok, c'est bon. Alors, oui, d'accord. C'est ma ferme? Non. Ah non, c'est pas ma ferme. Ça c'est le truc, le jardin commun à tout le monde. Oui, c'est ma ferme. Ok, ceci est un terrain. Tu peux planter des choses ici et regarder les plantes grandir. Mais les plantes ne grandissent pas toutes seules. Il leur faut de l'eau. Oui, ça paraît logique. Tu peux remplir ton arrosoir ici au puits. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Ah oui, on pourrait avoir des animaux. Bon, c'est pas le but. Alors, oui, je veux planter du blé. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Du blé. Quoi? Ah oui, là. Oh oui, je mets du blé. Oh, c'est trop satisfaisant. Coucou. Attendez, alors ensuite, je prends mon petit arrosoir, je le remplis, et j'arrose. Oh, c'est bon, j'ai arrosé. Non. Oh, ça grandit! Ah oui, mais ça grandit, ah oui, d'accord. Allez, grandissez encore. C'est presque prêt. Ah mais non mais les gars, depuis quand les blés c'est plus grand que moi? C'est n'importe quoi. Ah ça y est, ils sont bons là non? Comment on sait? Ah ça me paraît pas mal hein. Là j'ai récolté et qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, c'est l'endroit du marché. Tu peux vendre ici tes récoltes et acheter de nouvelles graines. Tu peux également vendre tes graines à cet endroit, ok. Tu peux acheter des graines à cet endroit. Ok, alors attends, déjà on va récolter. Hop. Voilà. Ouais, j'ai 20 de paille. Parce que du coup, c'était pas du blé, c'était de la paille en fait. Mais la paille, c'est pas le blé à la base? Je ne sais plus. Bon alors, je vais déjà vendre. Bah, je veux tout vendre. Soyons fous. Ok, du coup, je peux aussi acheter maintenant des poppies. Alors, je sais pas ce que c'est des poppies. C'est peut-être des lentilles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut acheter ça. Mais le problème, c'est que ça coûte quand même assez cher et qu'on en a pas beaucoup. Mais du coup, je vais acheter plutôt du blé. Vends-moi du blé. Ah, mais attends. Ça coûte si cher que ça? Ah ouais, ça coûte cher, en fait, une graine de blé. Non. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on peut upgrade notre petit truc? Ah, ça coûte 50$, mon Dieu. Et on peut aussi upgrade notre sac à dos. Ça coûte 75$, on n'est pas prêt de les avoir pour l'instant. Et ensuite là il y a des quêtes. Bonjour monsieur. Ma vieille vache ici me dit qu'elle a faim. Est-ce que vous pouvez me ramener de la paille pour elle? J'ai juste besoin de 20 trucs de paille et je te donnerai 10$ pour ça. Ok. Allez, soyons fous hein. Soyons fous. Et là il y a quoi là? Il y a une autre quête là. Bonjour monsieur. Oh mon Dieu, un fermier. Attendez, vous n'avez pas de vache, n'est-ce pas? Soyez sûr que vous ayez une comment ça s'appelle ça? Comment on appelle le bâtiment rouge? Une étable, c'est ça que je cherchais. Et ensuite, va voir mon pote à côté, il te vendra une vache. Ok, bon, pour l'instant, on n'a pas encore l'étable. Elle est où déjà ma ferme? C'est laquelle? Ah, je me trompe tout le temps. Ok, donc là, on va replanter notre blé tranquillement. Hop. Ok, c'est bon, on a tout planté ce qu'on avait. Maintenant, on prend notre petit arrosoir et c'est parti. On arrose tout. Voilà, j'ai même pas le temps d'arroser que c'est déjà en train de grandir en fait. Ah, j'ai plus d'eau dans mon truc. Oh non, ça va être désynchronisé. Ok, oh là là, les gars, regardez tout ce qui pousse. Oui. C'est trop bien. Mais est-ce qu'on peut les re-arroser après? Ah ouais?
On peut re-arroser là. Mais est-ce que ça va aller plus vite que le reste du coup? Oh. Ah oui. Allons-y, on récolte. On récolte tout. Ah là, de la paille, monsieur. T'en voulais combien? 20? Ah là, je pense que je suis large, j'en ai 46. Et bah toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, de l'eau. Est-ce que tu veux bien pousser, monsieur? Je crois que nous avons affaire à du blé récalcitrant. Ah, voilà. Allez, pousse. Oui. Alors, est-ce que... Attends, c'est quoi le marteau? Oh, on peut faire des sprinklers. Donc les sprinklers, en gros, c'est des trucs qui vont arroser pour toi, en fait. Oh, c'est trop bien, ça. Ok, mais là, on a dit... Voilà. On peut donc acheter des trucs en plus. Bah, c'est bizarre, je peux pas acheter de trucs pour faire mon étable. Et là, il y a quoi, là? Bonjour. Ah, c'est la banque. C'est la banque, c'est la banque. On n'est pas très riche pour l'instant, on va éviter leur dire bonjour. Alors, non, pas le cuistot. Monsieur avec sa vache, oui, bonjour. Tiens, je te donne. Voilà, tu vas pouvoir nourrir Germaine, ta vache. Bon, merci. Elle dit que ça ira bien. Et voici 10$ pour toi. Merci beaucoup. Est-ce que t'as une autre quête? Ah, bah il a plus besoin de rien. Ok, bah super. Hein. Je sais pas du coup comment on a cette truc. Mais en tout cas, on a 60 graines de blé. Et il faudrait que j'achète ça. Hein. On peut en acheter 10 maintenant, des poppies là. Hein. Et 5 de plus. Donc j'en ai 15. Oh là là. Donc en fait, plus tu vends. C'est quoi ce bruit là? On dirait qu'il y a un extraterrestre qui va d'arriver là. Faites pas des bruits comme ça. Hein. Donc en fait, plus tu vends, plus tu peux acheter des meilleures graines. Et du coup, tu peux vendre plus et ainsi de suite. C'est donc un jeu de farm. Mais en même temps, c'est un peu le but. C'est un jeu de ferme. Et ensuite, on va aller planter nos petites graines. Alors, on va d'abord planter les poppies. Ah, j'ai plus de poppy seeds. Ensuite, on arrose. Hop, 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 hop. Bon, j'en ai pas mis jusque là-bas, mais soit. Ah! Allez, grandissez les poppies! Est-ce que je plante au passage le blé? Oh, ça peut pas faire de mal. Bon, j'avais arrêté de le planter parce que là, il y en a quand même beaucoup trop. Voilà, c'est bon, j'ai fini d'arroser le blé, mais j'ai l'impression que les lentilles, elles ont bu toute l'eau, genre... C'est pas fini, là, encore. On est d'accord, quand même. Je peux pas déjà les récolter, là. Attends, ça fait quoi si je mets la faucille, là? Ah, il me dit pas où j'en suis. J'ai peur de cliquer dessus, c'est pour rien. Si je fais ça, là. Ah, ça me rend des graines. Ça m'en rend 3 graines. Bon, déjà, on va récolter tout ça. J'ai l'impression que ça grandit. Non, ça grandit encore. On dirait de la ciboulette. Oh, il y a des petits... Mais c'est des fleurs, en fait, les poppies. Ce sont des petites fleurs. Attendez, je vais les arroser encore un peu. J'ai plus d'eau. Ça m'a de l'eau. Hop, hop, hop. Allez, on arrose. Et on attend de voir si ça devient vraiment des fleurs, en fait. Je pense que ça va devenir des fleurs. Oh! C'est des rouges à lèvres! C'est des fleurs rouges à lèvres! C'est pas mal. J'aime beaucoup, hein. Mais j'ai aucune idée de si là, c'est le stade final. À mon avis, non. Je pense qu'elles vont s'ouvrir. Et faire des sortes de verres à cocktail fleurs. Ah, mais d'ailleurs, attendez. Ah, mais c'est l'automne, en fait, là. Oh! Il pourrait pas pleuvoir en automne pour arroser mes plantes, tiens. Allez, on va continuer à arroser parce que je pense que ça va manquer d'eau, tout ça. Il faut les arroser plusieurs fois, hein, alors, celles-là. Est-ce qu'elles grandissent encore un peu, là? Oui! Là, cette fois, je pense que... elles sont adultes. J'ai eu un poppy. Et là, j'ai eu que des graines. Ah bah ouais, donc c'est que c'est bon, alors. Ça sert à quoi? Des poppies... Attendez, mais faut que j'aille voir. Ce sont donc des graines de pavot. Mais alors, pas du tout ce que je pensais. Ce ne sont pas du tout des fleurs, en fait. Enfin, peut-être que la fleur de pavot est comme ça.
Mais après, c'est pour les petites graines qui se mettent souvent sur les pins et autres trucs du genre. Ok. Bon, du coup, récoltons les petites graines de pavot. Voilà, bon, au moins, on sait que c'est pas des lentilles, on sait que ce ne sont pas non plus des fleurs. Ce sont donc des poppies. Alors, est-ce que je peux... Ah oui, j'ai 30 poppies maintenant. Je replante pour 30 poppies. Allez, on plante tout. Oh là là, par contre, on voit pas quand on les a plantés, du coup, c'est très dur. J'ai un peu fait ça comme un sagouin, du coup, je sais pas où j'en ai planté. Bravo. Non mais bravo, Kossou. Alors, hop, 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 hop. On va tout faire, je pense, parce qu'en fait, là, j'ai aucune idée d'où j'ai des trucs à arroser. À mon avis, j'ai fait des trous. Je pense qu'il y a des endroits où va rien avoir. Allez, on retourne chercher de l'eau. Je vais pas monter sur le truc, je m'en fous. Oh là là, mais ça va trop vite, là. J'ai pas le temps d'arroser. Laissez-moi tranquille. Il y en a trop, j'en peux plus d'arroser. Il me faut des arroseurs automatiques, les gars, là. Il me faut des arroseurs automatiques. Bon, pendant que ça pousse, nous, on va aller chercher... Enfin, on va aller surtout vendre nos petites graines de poppy, là. Allons-y. Alors, je veux vendre. Ok, je les vends toutes, ce qui fait que j'ai 7,95$. On est pas mal. Est-ce que là, du coup, je peux acheter des nouvelles trucs, genre les patates? Les patates, je peux en acheter 5. Et une, et encore une. Parfait. Est-ce que je peux vendre quelque part mes graines? Parce que bon, il y a les graines de blé, là, clairement, je m'en fous, hein. Ah, mais déjà, je peux vendre tout ça. Voilà. Et du coup, je peux racheter des graines de patates. Voilà. Parfait. Est-ce que, monsieur avec ta vache, tu as besoin d'aide? Ah, maintenant, il veut 50. Mais je viens de les vendre, mes trucs. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, ils sont là, les sprinklers. Ah, mais ça coûte 600$. Mais moi, ce que je me demande surtout, c'est comment on a une étable. Bon, si jamais vous le savez et que je l'ai toujours pas avant la fin de la vidéo, pourquoi est-ce qu'il y a des grands arbres géants là-dedans? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis du coup, bah, comme ça, je pourrais peut-être avoir, s'il y a un prochain épisode, avoir une ferme, enfin avoir une étable pour mettre des vaches. C'est bien, les vaches. Ok, bon là, c'est en train totalement de se dessécher, ces trucs-là. Allez, les poppies. Vous savez qu'il faut que je plante mes patates, moi, après. Hein. Et les patates, c'est parfait parce que du coup, il reste des carreaux qui sont déjà arrosés. C'est bien, ça. Des fois, j'ai des bonnes idées. Je suis fier de moi. Ensuite, je vais arroser pour faire 25. 1, 2, 3, 4. Et 25. Hop, comme ça, je vais faire de la paille pour la petite vache Germaine. Évidemment, hein, Germaine, on ne l'oublie pas, surtout pas. Hop. Hashtag de la paille pour Germaine. Ensuite, là, c'est en train de pousser. Peut-être que j'arrose celles qui ne veulent pas pousser, là. Allez-y, poussez. Je vais récolter celles qui sont déjà poussées pour l'instant. Hop là. Peut-être que j'arrose mes patates aussi un jour. Ok, c'est bon, on a la paille. Hop, 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 hop. Voilà. Il m'en faut 50. Normalement, j'ai calculé pile poil pour en avoir 50. J'en ai 52. Bon bah on va tout jeter là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quoi à droite? Oh. En gros, les balles de coton, eh ben, elles se vendent 45% plus. En fait, il y a des arrêtés gouvernementaux qui disent « Ouais, nous, on veut plus que vous fassiez ça, alors faites ça et on vous donne des sous en plus. » Mais moi, je peux pas faire du coton pour l'instant. Ah, puis c'est loin, le coton. Hop, je pense que là, les patates sont prêtes. Hein. Oui, j'ai eu 3 patates. Ça donne 3 patates à chaque fois. Et vu que je suis, mais littéralement, un génie... J'ai déjà préparé le terrain pour les patates qui arrivent. Je ne plante pas des patates par contre. Voilà. Je plante des graines de patates, pas des patates elles-mêmes. Quoi? Je suis en train de planter du blé comme un idiot. Je me suis trompé de graines. Oh non, j'avais tout préparé tout bien et tout. Et voilà. Et du coup, résultat des courses, eh ben, j'ai plus de place. Voilà. Bravo le blé. Oh là là, c'est pas vrai.
Ah mais en fait on peut juste faire glisser. Attends, on peut quand même pas le faire avec ça. Non, il faut à chaque fois cliquer. Ok, alors allons revendre nos patates, tout ce qu'on a là. Ce sera déjà pas mal. Et peut-être qu'on pourra s'acheter des améliorations, genre l'amélioration de ça là. Allons vendre. Non, d'abord. D'abord, allons rendre la quête à monsieur. Tiens, de la paille pour Germaine, évidemment. Hop. Et du coup, il a rien d'autre à me faire. Ok. Ensuite, on va vendre nos patates. On va pas vendre la paille au cas où il en a encore besoin. Mais on va vendre nos patates. 12$, je crois. Oui. Et nos poppies. 10$. 40, ça fait qu'on a 44$. Il y a moyen qu'on puisse s'acheter. Oh non, c'est 50$. Oh, il manque 6. Bon. Les amis, pas de panique. On va y aller. On va aller acheter ce satané water can. Je sais plus le mot. Ce satané arrosoir. Allez, du coup, je plante mes patates. Je sais pas pourquoi je prends un accent d'agriculteur du sud quand je plante des patates, mais j'ai l'air heureux. Alors voilà. Ça en fait beaucoup des patates là quand même. Hein. Ça va faire beaucoup de choses à arroser là. Ok, c'est bon. Logiquement là, j'ai quasi tout arrosé. Il a fallu que je fasse quand même au moins 4 allers-retours jusqu'au puits pour arroser encore tout ça là. Ah mais c'est bon, c'est prêt là. Attends, on va juste attendre que les dernières soient prêtes. Vu que je vais faire le bourrin et tout enlever d'un coup. Oh non, maintenant il y a un arrêté municipal pour les poppies. Alors que j'en ai pas planté cette fois. Bah bravo hein. Oui. Plein de... Oh, j'ai 160 patates. Alors là, on va être riche. Bon, riche peut-être pas. Mais... on va se mettre bien. Hop là, plus 16, ce qui fait qu'on est à 61. Je vais donc acheter... Ah, mais en fait, ça va... Attendez. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai juste acheté un arrosoir, calmez-vous. Ah, ils disent que ça, c'est le Land Office. Ah, c'est ici qu'on peut acheter des bâtiments? Ah, mais en fait, c'est ici qu'on peut acheter des bâtiments pour faire des trucs trop cool. Mais pourquoi il s'appelle banqueur? Ça doit être le caissier, en fait, tout simplement. Oh, ah, mais moi j'ai pas assez pour acheter des trucs aussi chers là. Ah, on peut mettre des trucs pour les appels et tout. Ouais, il y a des trucs qui coûtent super cher. Hein. Et il faut que je fasse buy land for 1000. Et après, sûrement, je pourrais mettre une étable. Mais du coup, pour l'instant, je ne peux pas. Ok. Alors, du coup, je veux juste tester mon nouveau. Oh, c'est révolutionnaire. Je vous le dis. Bon, il faut toujours quand même le remplir toutes les 5 secondes là. Ah non! Oh là là, mais c'est trop la vie. Voilà, on a tout arrosé en un coup. Bon, et bien les amis, sur cette plutôt cool amélioration, je vais m'arrêter là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Surtout, dites-moi dans les commentaires si ce jeu vous a plu parce que je pourrais en refaire. Et si jamais il vous a pas plu et qu'il y a des jeux que vous aimeriez beaucoup voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.